Cette série, attention, les mains qui s'élancent, la série est levée! Quelle lance soit, mais le lac qui joue très agressif, mais malheureusement, qui se passe pour le premier cœur qui était placé. Après une défaite de 5 à 0 dans le match numéro 1, les conquérants sont de retour! Ah, ouais, Manon, on flash pour essayer d'attaquer. Oh, c'est une finalité! Mais très agressif. Attends, les mains qui neutralisent le ballon dans une arrière. Le tir qui tient le bas en train de faire tout le cœur d'arrêt de l'Ouston! Qui vient sauver la mise? Bonjour, je ne sais pas si le live marche présentement parce que, ben, disons que sur mon ordi, j'ai des petits problèmes. Qu'est-ce qu'on pourrait montrer? Parce que je pense pas que montrer la game, c'est une. Ben, montrer mon client de ligue, c'est une bonne idée présentement. Mais, ouais. Bon, oups. Ça m'énerve un peu ça. Mais ouais, ça, bon ben, on va faire comme s'il y avait un live. Parce que je peux. Franchement, je peux vraiment pas dire si. C'est quelque chose, là. Mettons, je vois pas le chat, par exemple. Parce que. Voilà. Ben, on va parler des picks. Ah, quand même. Orianna mid. Orianna qui est. Ouais, qui est quand même beaucoup joué, hein, on le veut au World, surtout par Faker. Hein. Faker qui est vraiment considéré selon beaucoup comme le meilleur joueur du monde. Après ça, Echo qui, je pense, va être Jungle. Parce qu'on a quand même banni Jarvan, mais je sais pas. Sinon, après ça, Lucian. Après ça, on verra le Uzir jungle, j'imagine. Puis la hache botlane ou support, on sait, parce que ça joue quand même support. Puis on verra bon, la réelle qui va être pick. Ensuite, ça va être une Séraphine mid du côté de Limoilou. Après ça, on aura Braum qui va être pick pour le support. Et Zach, je pense que c'est un Uzir top et un Zach jungle. Je suis pas sûr, mais je pense que c'est ça. Parce que ça m'étonnerait un Zach top, c'est quand même off meta. Puis on verra le pick de Illawarra du côté de Limoilou. Donc, une draft assez intéressante. On peut voir du côté de Limoilou, on est quand même assez équilibré entre AD et AP. Du côté de. Bon. J'ai oublié le nom de ce fait. C'est chef de Drummondville. Ok, donc. C'est chef de Drummondville. On a. Bon. On a. Quand même. Wow. Ah, ok, non, je me suis trompé. Non.
Boy. Ça c'est fort, c'est fort. Non, vraiment, excusez-moi. Alors, on aura le pic. Non? Ok. Du côté du sujet de Romainville, quand même une draft assez équilibrée niveau AD, AP. On a une bonne engage du côté de la REL, Ilawa qui va être bon pour split push plus un. Du côté de Limolou, on a un peu moins de dégâts, je trouve. On aura la Rihanna puis la H, mais Udyr, Zach Brom, c'est pas mal plus des tanks, donc c'est assez intéressant à voir. Là, on peut attendre un bon 2 minutes. S'il n'y a pas de cam, je suis désolé, j'ai oublié d'aller la prendre. Parce que, ouais, bon. En fait, j'ai pas de cam. Pour moi, fait que je la loue à mon cégep, mais ouais. Un peu une intro bizarre hein, pour le live, hein, parce que voilà, c'est ça, j'ai. Présentement, j'ai j'ai des problèmes. Mais ouais, ça, j'ai des problèmes avec le stream, mais ouais. Bienvenue sur le live, hein, si vous venez d'arriver. Mon nom, c'est Arcubi. C'est mon nom de jeu vidéo, là. C'est pas mon vrai nom, mais voilà, c'est ça. Puis ben, je commente l'eSport League of Legends pour le Cégep Limoilou. Hein? Deux équipes cette année pour le Cégep Limoilou dans League of Legends. On a... On a l'équipe 1 et l'équipe 2. Ce soir, on stream l'équipe 2. Donc... voilà. J'ai hâte... J'ai hâte de voir la game. Sinon, je suis en train de travailler sur ça pour voir le chat et tout. Présentement, je vois toujours pas que je suis en live. Donc, c'est un peu embêtant. Mais ouais, c'est ça, ça affiche pas que je suis en live. Donc, c'est un peu bizarre. Sinon, je peux pas vraiment interagir avec le chat présentement, du coup, parce que, voilà, problème de connexion, j'imagine, je sais pas, j'imagine que c'est avec mon réseau que ça fait ça, mais ouais, c'est quand même étonnant, ça m'a jamais fait ça, là. Ouais, c'est ça. Si vous voulez, pendant ce temps-là, on peut faire... Ah non, ça commence en 30 secondes, on n'aura pas le temps. Là. J'allais dire, on peut faire le lol-dol. Non, c'est quand même le fun de faire. Mais ouais, c'est ça. Non, ça, si vous écrivez, je peux pas voir. C'est un peu embêtant aussi parce que vraiment... Regardez le chat, tout, ça me fait des trucs à dire, si vous avez des questions, puis ça, je peux les répondre. Ça évite les silences, en fait. Fait que, ouais, c'est quand même bien, mais bon. Bon, la game va commencer. Donc. Faire ça et... Bon. Ok, donc on voit Cégep Limoilou qui atteint une invade, hein, les 5 dans le bush, c'est quand même spécial d'avoir ça. Puis, normalement on voit les équipes en pro play qui gardent toute la map. Wow. Je vais juste replacer ça pour qu'on voit, ouais, ça c'est bel et bien un Udyr en top qu'on va avoir.
Ouais, je replace ça comme ça, c'est plus clean à voir, là. Voilà. J'aime ça avoir les rôles en ordre. Je trouve ça assez pratique. 2 secondes, je vais checker un truc. Ici, par contre, je pourrais aller. Ça va très, ça fait des bons dégâts sur la tour. J'ai beaucoup de dégâts au Malphite. Pour en faire un engage en top lane, il y aurait qu'il a très confiant, mais Malphite, j'aime plus. Donc, pour en faire un engage. Voilà, désolé si c'est un peu encore en silence. J'essaie de fixer les problèmes, de pouvoir voir le live. Non, je suis désolé s'il n'y a pas beaucoup de commentariat, je sais pas si ça se dit, ok, on voit un engage du côté de la bot lane, la rel qui va prendre beaucoup de dégâts, hein, va être descendue à mid-life, le level 2, l'avantage de niveau avec la wave, c'est très dangereux du côté de Drummondville, hein, Lumalou qui va profiter de cet avantage là. Bon, ça là, en top lane, Ning qui est assez égal, on voit que la wave gagne en termes de HP. Mais Udyr avec son W, qui est une habilité qui fait en sorte que ses deux prochaines attaques, après que ses habilités, ça redonne de la vie, ça le rend vraiment. Ça lui donne vraiment beaucoup de sustain, puis il est vraiment dur à tuer. Maintenant, mid lane, on verra l'avantage de la wave de la Séraphine, mais quand même, la Orianna qui se débrouille assez bien. Hein. On a pas pris de dégâts sur le trade à cause shield. On va s'arrêter par l'habilité quand même, mais bon. Pour l'instant, ça. Je dirais que ça se passe assez bien. Pour les deux teams. Hein. Je suis en train d'essayer de. Parce que j'aime bien un raccourci. Il y a un raccourci pour dézoomer ça. Parce que je trouve que c'est plus beau en tant que spectateur si on voit le tout dézoomer. Mais oui, c'est ça. Quand on va lui dire justement qu'il a récupéré toute sa vie, quand même, il va se faire hit par le E de Illawa, le E d'Illawa qui prend ton arme et qui fait une partie des dégâts fait à ton arme à toi. Donc c'est une habilité qui est vraiment forte. Selon moi, l'habilité est beaucoup trop forte. C'est genre, c'est vraiment. Ça donne un neutral game. Un neutral game, c'est là où est-ce que vraiment. Il n'y a aucun adversaire qui est en position d'avantage ou désavantage. Ça donne un neutral game à Illawa qui est juste beaucoup trop fort, parce que si on prend un E, on se fait juste perdre toute notre goal, selon moi. Et voilà, là c'est dézoomé, c'est plus beau. Mais ouais, c'est ça, pour l'instant, il y a pas grand chose qui se passe sur la map. On voit les junglers qui ont fait leur full camp, chacun a eu un scuttle. Zach qui est quand même plus vite sur le clear, hein. Voilà, Echo qui est encore en train de faire son Echo, Zach, qui a déjà terminé son premier clear, on peut voir de la vision quand même du côté dans la jungle ennemie. Dans la jungle de Limoilou, hein, de la vision de l'autre équipe, donc Romainville. Ah non, pardon, je veux dire, Echo qui est en avance en fait, son clear comparé à Zach, Echo il a back, il s'est acheté un Doran's Ring. Doran's Ring qui est un item, un Dark Souls aussi qui s'est acheté. Doran's Ring qui est un item normalement utilisé pour les laners, mais depuis que les items de Doran ont été buff, on voit aussi maintenant les junglers qui craftent les items. Donc c'est assez intéressant à voir. C'est une stratégie que normalement je pense pas qu'elle était prévue par Riot, mais les items de Doran sont juste tellement forts. Et First Blood du côté de la mid lane, Echo par contre qui va prendre un double kill, hein, on imagine du coup avec on imagine qu'il va tuer le passif de Zac. Voilà. Et c'est Et non, il s'en échappera pas malheureusement. C'est une double kill pour le jungler de Drummondville. Quand même, on a scoré le first blood du côté de Zach. L'ult de Seraphine qui était très bien mis, qui a de charme. Puis qui a fait assez de dégâts pour qu'Echo puisse tuer les deux laners. Pendant ça, là, ce côté de la top lane, on voit quand même une belle domination du côté du Zir. Même si on a plus beaucoup de mana, là, Illawa a plus beaucoup de mana non plus. Et ça n'a plus beaucoup de points de vie. Pendant ça, là, ce côté de Drummondville, avec la priorité en bot, on va prendre un dragon. Premier dragon qui va être. Un dragon de
Voilà, un dragon de Chemtech. Oh, on va voir les Molos qui vont essayer de. Ils ont essayé de contester le dragon. Je m'imagine que ça va pas marcher, mais par contre, on va quand même prendre un kill sur le Brome. Malheureusement, on aime ça. On aime ça plus avoir des kills sur la DC. Par contre, le Zac qui va encore mourir. Mais vraiment, la team va pouvoir follow, peut-être, oui. Flash du côté du Lucian et de la hache. Ça va être un kill pour la hache. Double kill pour la hache. Malheureusement, la Seraphine qui va avoir une double kill aussi. Hein, elle va tuer le Brome et le Zac. Donc, au moins, on a égalisé les kills. Avant, c'était 1-0. Maintenant, c'est 4-4. Aussi, deux kills sur la DC, c'est très bien pour Snowball. Parce que à la DC, c'est l'un des. C'est l'un des rôles. En fait, tous les rôles sont autant importants que les autres, mais ADC c'est vraiment le rôle pour carry. C'est-à-dire que si on a un ADC qui feed puis qu'on arrive à bien le protéger, il va juste éclater tout le monde. Théoriquement c'est le cas, ça arrive pas toujours à cause des ADC et tout. On peut voir le dire qui prend vraiment pas beaucoup de dégâts sur le E de Ilawa, dire qui est très tanky, même sans avoir chacun rubis cristal, il prend quasiment pas de dégâts grâce à son W. Il y a voir qui est allé pour une Bramble Vest contre un Dire qui s'en va pour des systèmes AP, donc je pense pas que. J'imagine que ça s'en va Frozen Gauntlet, vu que c'est pas mal l'item que tous les Awabul, forcément un item de tank, mais qui donne aussi des dégâts avec le Shield. Shin qui est un item, et voilà. Et Ilawa c'est très bien parce qu'elle peut slow les ennemis en même temps, fait que ça fait en sorte qu'ils peuvent moins s'éloigner. Puis ben Ilawa elle a vraiment de la misère avec les ennemis qui peuvent juste s'enfuir de son E et de son ultimate. Donc on peut voir Inoffensive Name qui est présentement en train de dominer sa lane. Même si ça paraît pas, on n'a pas autant de CS de ça, on a vraiment beaucoup d'avantages de PV. On a vraiment beaucoup. On a un bel avantage du côté de Numalo en top lane. Si je me trompe pas, pour le gold advantage, c'est. Nice, wow! Wow, je me pousse, mais il n'y a pas. On manque une engage en mid-game. Et bah, je suis désolé, c'est un peu. Séraphine qui va se faire ganker mais qui va très bien s'en sortir. Un kill avec son ultimate, Zac. Zac a un peu de la misère dans ce game là. Pendant ce temps-là, en bot lane, ça va prendre un kill du côté de l'ADC. ADC qui commence à avoir que 3 kills, qui commence vraiment à bien snowball, à bien être fort dans cette game. La hache de coquin qui s'impose très bien dans cette première partie du Best of 3, de BO3. Dans ce temps-là, la Seraphine en mid lane, il a Udyr en top lane qui va se faire ganker. Udyr esquive le E. Il a voir qu'il n'y a pas tant de dégâts sans son E. Il va parer ultimate, mais Udyr va s'enfuir. Donc c'est un ultimate qui va être perdu du côté des Dawa. On n'a pas eu grande value du côté de l'ultimate. Pendant ce temps-là, un fight en top lane. Donc Udyr qui va chase le Echo. Echo qui va shield pour stun pour s'enfuir. Il va réussir à s'enfuir. Intéressant, on va sortir le Rift du côté de la top lane. Et c'est bien quand même pour celui qui mono. Pendant ça là, l'ult de Bronk va claquer en bot lane, l'ult de Lucien qui va tuer la hache. Drummondville qui est la bot lane de Drummondville qui score un kill sur la hache, un gros shutdown de 300 gold. Ça aide beaucoup le Lucien à revenir dans la game. Pas qu'il était en retard, mais plus que. Plus que la hache avait beaucoup plus de gold que lui à cause de tous les kills. Mais là, Lucian avec un shotgun, donc 600 gold, ça l'avantage vraiment. Mais cela, on va enlever la control ward qui est Lumalu dans leur jungle. Donc, une mid lane, une bot lane et un jungle. Wow, qu'est-ce que j'allais dire? Mid lane et jungle du côté de Romanville qui est en train de gagner pour les Moalou. Ça reste pas mal égal, je dirais. Puis en top lane, selon moi, c'est quand même une belle domination du côté de Udyr. Udyr qui est en train de dominer sa lane. Udyr qui a pas peur de l'Ailawa du tout. Qui va d'ailleurs l'engage, un très beau trade du côté de Udyr qui va mid-life l'Ailawa. Ilawa qui a déjà perdu la moitié de sa vie quand même. Pas rien, va reprendre la vision. Va enlever la vision, je veux dire, du dire.
Udyr quand même avec son W qui a tellement de sustain, Udyr qui va décider de proxy la wave de Illawa. Jungler aussi qui est en bot lane, donc Udyr ne peut pas être contesté sur ça, c'est un très bon moment de savoir. Pendant ça là, le Zac qui va faire un engage en mid lane, la Seraphine qui perd tous ses PV tellement rapidement, ça va être le kill pour le Zac. 300 gold de shutdown, un très bel engage du Zac avec le follow-up avec l'ult de Orianna. C'était magnifique. Donc pendant ce temps-là, un fight qui va être en bot lane. Le Lucien qui prend peu à peu des dégâts. Pendant ce temps-là, Ashe qui envoie justement plein de tours. Ça commence à faire mal. Hein. À ce temps-là, on va enlever la vision dans la jungle ennemie pour les Malou. Les Malou qui vont essayer de faire un dragon, mais vont abandonner le projet parce qu'ils n'ont ils sont tout simplement... outnumbered, c'est quoi en français ça? Ils sont en désavantage numérique hein, pour faire ce dragon, la Rihanna qui part avec eux. Puis je pense pas non plus qu'ils ont les ressources, hein. Ils doivent avoir beaucoup de gold sur eux présentement. Donc voilà. Donc ça va être un deuxième dragon pour Drummondville, donc un exec, un gem tank. Ça va être une map Ocean, donc. La Ocean Soul qui est l'une des plus fortes selon les statistiques. Hein. L'une des meilleures Souls. Ça serait mieux pour. La Soul serait meilleure avec. Si je me trompe pas, ce serait meilleur avec l'équipe d'Elimolo parce qu'on a une comp qui est plus tanky. Donc ce serait plus d'HP, mais bien évidemment, peu importe qui a l'assaut, il aura un avantage. Pendant ce temps-là, il y a une gage en bot lane. Le Zac va faire un kill, Zac qui va flasher sur le Lucian. Lucian qui devra flasher, ça sera pas assez. Lucian va mourir. Il va pas pouvoir s'en sortir. Et c'est une double kill encore de la bot lane. Zac qui revient dans cette game. Zac qui s'impose avec deux excellents ganks, un à la suite de l'autre. Pendant ce temps-là, Zac qui va invade la jungle. Donc Echo qui va pareil avoir son cam, on va prendre la control ward au moins. Hein. C'est quand même. J'allais dire c'est pas pire, mais. Niveau jungle, mais bon, ça. Je pense pas que 30 de gold va changer une game, honnêtement. Ça m'étonnerait. Là, il a voir qu'il va flash out du Udyr. Hein. Donc on peut voir. Il a voir qu'il build. Chain, l'item qui donne 40 d'armor, ça sert un peu à rien quand on dit qu'il y a des items d'AP. Par contre, on verra l'engage en mid lane. Hein, donc, la Orianna qui est morte pour. J'ai pas vu si je suis désolé, j'étais pas concentré. Oh, on a des petits problèmes hein, ça live là. Pendant ce temps-là, ok, le Udyr qui va se faire tuer man en top lane, mais Udyr, oh my god, qui est tellement vite avec le Ghost, le E et le bouclier pour tanker les dégâts de la cour. Udyr qui est juste. On peut pas l'attraper, il est tellement vite, c'est insane. Donc, voilà, c'est. C'est une très belle game. On va voir le Udyr qui a 1000 de gold sur la Illawa, c'est énorme. Pendant ça là, le Zac qui a rattrapé son retard maintenant, qui a un gold lead sur le Echo. La Seraphine qui a bien évidemment plus de gold que la Rihanna. 1300 gold de plus hein, quand même, hein, mais avec les kills et tout, c'est efficable. La Ashe qui a un énorme gold lead sur le Lucian, hein, 1200 gold, j'avais pas réalisé, mais c'est vraiment beaucoup de gold que là. Et le Braum qui a 800 gold lead. Ok, pendant ce temps-là, on verra le Echo qui va engage sur la Orianna. Pas tant de dégâts du côté du Echo. La Orianna qui tank bien avec son shield. Pendant ce temps-là, on verra un ult de la hache pour essayer de contre-attaquer. Mais le Echo sera déjà enfui. C'est une game assez intéressante pour l'instant. Limoilou qui a un bel avantage en gold. Hein. Limoilou qui mène avec. 2200 gold, hein, c'est bien. On verra le Braum en mid lane qui essaie de trouver quelque chose. Ah, la Rael qui vient pour supporter pour que ce soit un 2v2.
Dans ce temps-là, en top lane, le dire qui fait tellement de dégâts avec son ultimate, mais on verra la Illawa qui va enfin build la magique, de la résistance magique pour contrer ce Udyr. On verra la deux ADC en bot lane qui sont en train de farmer pendant que y a de l'action l'autre bord de la faille de l'invocateur. Hein. On verra la Ariana qui fait quand même du très bon poke. Hein. On voit hein, Drummondville qui est déjà mid-life. Hein. Pendant ce temps-là, la hache en bot lane qui s'impose assez bien. Ça va être un rift collecté pour Cégep Limoilou. Donc voilà, une assez bonne game présentement du côté de Limoilou. Hein. On n'est pas déçus d'eux. Voilà. Je perds mon mot. Ok, on verra une engage sur Brom qui est quand même extrêmement tanky, qui prend pas tant de dégâts. Lui, la Séraphine qui va manquer pendant ce temps-là, une engage de Séraphine, un flank. Le Brom qui est assez lourd, mais qui va survivre. Pareil, le Zac pendant ce temps-là pour contre-attaque. Le Dash qui va stun pendant très longtemps parce que c'est venu de loin. Le de Zac qui part, le de Ilawa qui va tuer la Ariana. Pendant ce temps-là, on voit un fight qui est juste dominé du côté de Drummondville. Hein. On est juste plus de membres sur ce fight-là et ça fait en sorte qu'on va gagner ce combat. Et on va prendre aussi la première tour de la game, tour en midlane. Pendant ce temps-là, Zac qui va counter-attaque. Zac, très bel engage. Ça va être le stun sur la hache qui va l'empêcher d'avoir le kill sur la rel qui va flash out quand même. Là, Ilawa pendant ce temps-là qui essaie de se défendre. Le TP du tir, ça va être un kill pour le Zac. Oh wow, beaucoup d'action cette game, hein. Le Zac qui est partout sur la map, qui fait énormément de dégâts. Hein, donc ça va être le Rift qui va être summoné invoqué en mid lane. Donc on verra un setup pour le dragon de l'océan. Limoilou qui va regarder pour prendre ce dragon, normalement devrait l'avoir, quoique Echo est quand même un très bon personnage pour voler les dragons, mais je pense juste là qu'il peut tout simplement pas s'approcher, c'est trop dangereux. Va quand même tenter. Écoute, tu vas avoir un kill sur la hache. Donc, même si on a le dragon second du Malou, on a dû perdre la hache face au Echo. Echo qui joue quand même une très belle game aussi du côté du Malou. Ça va être le Brom qui va réussir à recall. Alors, on l'avait spoté sur la vision, mais on n'a pas eu le temps de cancel le back. Oh, on aura un pause du côté du Lucien. Lucien qui va arrêter. Ok. Alors, on a un petit problème du côté du Lucien. De l'ADC de Drummondville. Donc on demande dans le chat si on est prêt à. À remettre la game. Donc j'imagine qu'il y a un problème du côté de Drummondville. C'est bon, la game est reprise. Donc fonctionnalité qui est assez bien avec les games custom de League of Legends, c'est qu'on peut les mettre sur pause. Donc ça c'est assez intéressant. S'il y a un problème ou s'il y a autre chose, c'est vraiment le fun de pouvoir mettre les games sur pause. Oh, on aura un freeze de mon côté de la game. Oh. Mais bon, je suis revenu à la normale. Et tant mieux, hein. Excusez-moi, Black Screen, je voulais juste régler quelque chose sur OBS. Mais pour ceux qui veulent savoir, non, je ne vois toujours pas le chat, malheureusement. Donc voilà, c'est un peu embêtant. Ok, on verra le dire, vraiment le dire qui prend aucun des codes de la Séraphine, hein. C'est fou comment le dire est tanky présentement. On verra Echo qui veut ping le Nashor pour dire plus bon.
On voit un Zach qui s'avance dans la jungle ennemie, hein? Zach qui n'a pas froid aux yeux du tout même. Je me demande s'il avait vu la rel parce que la rel lui a fait aucun dégât et est parti. Hein? On voit Zach qui va l'autre bord du mur, Zach qui va essayer de prendre ce Red Buff. Essayer de prendre un fight, je sais pas, on est vraiment en sous-nombre hein, du côté de Limadou, hein. Je pense pas que c'est une bonne idée de prendre un fight. Zach qui va s'enfuir. Par contre le Brom, non, le Brom va pouvoir s'enfuir aussi avec le Blascon. On verra la hache qui va utiliser son ultimate pour stun le Echo. Ultimate que je pense pas n'était nécessaire, mais on sait jamais. On prend pas de chance. On voit l'engage sur la Séraphine. Séraphine qui a juste pas vu le saut de Zach arriver. Séraphine qui va faire un double ult, qui va faire un double charme, excusez-moi. Et Séraphine qui va avoir le shutdown sur le Zach, un très gros shutdown de 400 gold pour que lui dire hey, le kill sur la Séraphine. Est-ce que ça en valait la peine? Je ne pense pas parce qu'on perd quand même. On a quand même un 400 gold de déficit sur ce play. Pendant ce temps-là, Cégep et Drummondville qui vont du coup se faire. Le baron avec l'absence du jungler de Limoilou, hein. Donc malheureusement, ils sont en son nombre. Par contre, ils commencent à perdre beaucoup d'HP. Le de l'Ariana, je veux dire, le pull, excusez-moi, le linkage de l'Ariana qui va tuer. Par contre, Drummondville qui ont vraiment beaucoup d'HP, ça n'a pas de smite. Wow. Excusez-moi, j'ai un petit problème. On a manqué le play. Donc qui plaît malheureusement, mais par contre même un très beau play hein, de Limalou hein, qui a très vite allumé qu'il n'y avait pas beaucoup d'HP puis qu'il pouvait contester ce baron et ils l'ont fait haut la main hein. Très bel engage, très la Orianna, ensuite le follow-up, l'ul de Brom et tout, c'était magnifique. Pendant ça là, le Udyr et la hache et le Brom qui vont juste pousser cette bot lane. Hein, le Udyr qui est très fort cette game, hein, inarrêtable hein, quasiment. Hein. Les potes sur c'est fou. Pendant ça, la hache aussi qui commence à faire beaucoup de dégâts, hein, qui commence à scale. Le Zac aussi qui est très fort. Hein. On voit Limoilou qui assère sa dominance sur la fight de l'invocateur hein, dans cette première game. Donc, avec un Limoilou qui a quand même un gold lead de 9000. Oh boy. Non, moins que ça, voyons. 6000 de gold environ, hein. 6000 de gold de plus, donc c'est vraiment beaucoup, ça. On verra le Zach qui va chercher une engage, qui va pas trouver la rel, mais par contre, le Brom qui va follow-up, hein. Peut-être un stun, la Séraphine qui va stunner, le Zach, mais... sans plus. Donc on voit Cégep Limoilou qui va setup pour un autre dragon. Deuxième dragon de l'océan encore. Ça là. Ok, donc on verra hein, Drummondville qui se dirige sur le Udyr. Hein, mais le dragon va être déjà pris par la salle. Une engage du Udyr. Ça il va stun. La lâche qui va stun la rel hein, pendant un bon 2 secondes. L'aile de Rull. Tous les ults partent. Hein. C'est un teamfight insane. L'ult de Zach qui stun tout le monde. Les dégâts insane du côté de Limoilou. Le Udyr qui fait tellement mal. Qui court tellement vite. Qui fait tellement tout sur ce teamfight avec le Zach. Hein. On verra le Echo qui va ult pour essayer de s'enfuir. Va essayer de s'enfuir. Va se faire exhaust. Là, Ariana qui va follow up. Ça va pas tuer. Mais pareil, on a un très beau play du côté de Limoilou. Hein. Seulement deux membres restants du côté de Drummondville. Là, il y a moi qui était pas là. Qui était en top lane en train de prendre la tour. Je pense qu'elle aurait dû rester avec sa team, mais ça ne change rien au final. Les Malou qui sont inarrêtables, qui veulent non seulement prendre cette imitation, mais veulent aussi terminer la game. Le kill sur l'Echo, la rail qui est revenue. Est-ce que ça va être assez? Je ne pense pas. Non! Le Udyr qui fait tellement de dégâts, le Udyr qui est toujours pas mort. Et on va voir, ça va être le Udyr qui... Le Udyr qui va coûter sa vie, mais parquer une engage sur le Lucian. Et les Malou qui va voir pour terminer cette game. Et... ça va être la fin de cette game 1! Une très belle game du côté de Cégep Limoilou, hein? Cégep Limoilou qui va gagner cette première game haut la main, j'ai envie de dire, hein? Donc voilà, on voit les dégâts de la Orianna et du Udyr et d'Isaac qui étaient juste énormes, qui étaient instables. Séraphine aussi qui a quand même très bien joué aussi. Donc c'est une très belle game du côté de Limoilou, mais
Les Drummondville ont quand même aussi bien joué. Voilà, on va dire. Voilà, donc on va demander au joueur de Limolo s'il peut m'inviter pour cette seconde game. Pendant ce temps-là, on voit toujours pas de nouvelles. Toujours pas de nouvelles, hein. Je vois toujours pas le chat. Donc je sais pas si vous écrivez. Mais voilà, c'est ça. Je pense qu'on a le temps de prendre une pause de, on va dire, 2 minutes. Hein. 2 minutes, le temps chez Evan. Parce que, voilà, c'est ça, on n'est pas en game. Mais aussi, vraiment, je vais aller chercher quelque chose à boire parce que ma gorge commence à irriter un peu, on va dire. Donc, on se revoit dans 2 minutes. Cette série, attention, les mains qui s'élancent, le tir est le but! Quel honneur soit, mais le Lionel qui joue très agressif, mais malheureusement, c'est pas le premier qui était placé. Après une défaite de 5-0 dans le match numéro 1, les conquérants sont de retour! Ah, on flash pour essayer d'attaquer. Oh, c'est réussi! Mais très bien. Attention, les mains qui neutralisent le ballon, c'est le but en arrière.
Le tir qui t'aime pas en train de sa toute un arrêt de louveteau qui vient sauver la mise. Bonjour, bonjour, bonjour. Nous sommes de retour. Excusez-moi. Je regarde des petits trucs. Je reviens. Ok, la deuxième draft qui commence, on va voir un ban de Gnar. Hmm.
J'imagine que Gnar est l'un des top laners de l'inoffensive. Parce que c'est pas la première fois qu'il est ban, non? Pour ça, on banne le Zac. Le ban du Zir aussi, du Zir qu'on a vu qui était extrêmement dominant, hein, la dernière game. Hein. C'est un ban du Zir aussi. Un ban de Nautilus, hein, donc j'imagine que ça va être un des joueurs. Et aussi un ban de Grave. Grave qui est un très bon jungler en high-low. Oh. Le troisième ban du côté de les Moilous, ça va être un ban de Vel'Koz. Donc, premier pick pour Drummondville, ça va être un pick de Jarvan. Jarvan qui est un jungler très, très explosif, on pourrait dire, hein, avec un engage, l'un des meilleurs engages du jeu. Hein. Donc, son E, son Q spell et son R. C'est un énorme gap close, c'est un engage que peu de champions peuvent s'en échapper. Hein. Ça, on va voir un pick de Yasuo. Hein? Yasuo qui est un peu un flex pick, on pourrait dire, parce qu'il est vraiment dur à jouer et on le voit pas toujours. Pendant ça, on va voir aussi un pick de Ornn. Donc, une très bonne. Malheureusement, je perds mes mots. Une très bonne synergie avec le Ornn et aussi un autre pick de Orianna, donc Yasuo qui a des très bonnes synergies avec Ornn et Orianna. Pourquoi? Parce que ces deux ont des knock-up et Yasuo pour utiliser son ultimate a besoin de knock-up. Donc voilà, un setup qui est très bon hein, pour le Yasuo. On va voir le pick de Jax du côté de Drummondville, un pick qui, si je ne m'abuse, gagne contre Ornn. Donc, on va regarder ça. On va regarder ça présentement sur U.GG. Hein. Donc, les pires picks contre Jax. Ah, ben non. Faut croire que Ornn a quand même une bonne win rate contre Jax. C'est assez intéressant. Mais Jax quand même qui reste un perso très fort. Et on verra la Seraphine aussi qui va être prise. Seraphine qu'on a vu dernière game qui était dominante hein, pour du côté de la mid lane. Hein. Sinon on va voir le ban de Illawa qui a été joué la dernière game par Drummondville. Ça s'avait pas tant bien passé pour Drummondville avec la Illawa. Hein, Illawa qui a pas pu s'imposer dans la dernière game. Il y a un ban du Rakan pendant ça. Ça va être un ban d'Ezreal et de Aurelion Sol. Pourquoi Aurelion Sol, je me demande bien, vu que le midlaner a été déjà pick. Mais bon, ça aurait pu être une Orianna support, on sait jamais. Mais bon, on va voir le pick Brom-H qui est un très bon combo aussi. J'avais oublié d'en parler, mais Brom-H, c'est un très bon combo parce que le Q-spell de Brom qui fait que la cible est ralentie et après toutes les procs, la cible va être stun. Puis H qui a beaucoup d'attack speed qui pourra proc ses marques très rapidement et donc ça va résulter un stun qui va être très vite. Et on va voir un dernier pick, Sejuani, du côté de Limoilou. Donc ça va être ça, les picks pour cette deuxième game. Donc j'ai hâte de voir de comment ça va se dérouler. Donc voilà, Yasuo en botlane, Yasuo aussi qui aura un Alistar en plus hein, pour d'autres knock-up. Donc Yasuo qui a juste tellement d'opportunités d'avoir des knock-up dans cette team, c'est énorme. Hein. Donc Yasuo que... Par contre, le fait de voir Jax l'autre bord, c'est un peu terrifiant pour le Yasuo parce que... Jax, ça peut esquiver justement ses auto-attaques et vu que son Q est considéré comme une auto-attaque, ça esquive ça aussi. Donc,
un peu embêtant pour le Yasuo, mais sinon, un très beau setup hein, pour lui. Hein, faut juste s'occuper du Jax, mais je pense que le reste de la team peut s'en occuper. Hein. Même sur une team assez tanky, Orn et ses genies ont quand même beaucoup de dégâts à eux, même si on dirait pas parce que c'est des tanks. Hein. Faut quand même très mal, surtout à ses genies. Une team qui est encore une fois assez tanky du côté de Limoilou, mais dernière game ça s'est bien passé, donc honnêtement moi je pense que ça va encore bien se passer pour eux, vu leur pick. Du côté de Drummondville, une comp qui est un peu moins, qui est quand même assez tanky aussi, mais en même temps on a beaucoup de dégâts, hein. Puis on a quand même pas mal tout hein, du côté du Drummondville aussi, donc... Une draft qui est assez bonne hein. Aussi, on a le follow-up, on peut avoir des bons picks avec l'ult de Jarvan, l'ult de Ash, l'ult de Braum, mais aussi on a un très bon teamfight hein, avec l'ult de Jarvan s'il prend plusieurs personnes, l'ult de Seraphine qui peut en charmer plusieurs, et l'ult de Braum qui peut juste, qui knock-up tout le monde et qui met son passif, hein. Donc quand même un très bon teamfight. Aussi du côté de Limoilou avec Yasuo, hein, son Windwall qui est très fort en teamfight, son ultimate aussi qui pourra follow-up d'un ult de Ornn aussi, Ornn qui est très bon en teamfight en plus d'augmenter les mythiques. Orianna aussi son ult, Alistar qui tank bien et qui peut offrir des knock-up, et c'est joli qui est quand même meilleur pour prendre des picks un peu partout sur la map, mais quand même on a deux teams qui sont selon moi assez équilibrés. Même si j'ai l'impression qu'on manque un peu de dégâts du côté de Limoilou. Dernière game, ça s'est très bien passé pourtant pour eux. Hein. Voyez ça, qui peut dire qu'ils faisaient énormément de dégâts. Hein. Voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc, la game commence dans 30 secondes. Je sais toujours pas si le live marche. Mais ouais, c'est ça. 20 secondes. Sinon, il y a aussi les Worlds de League of Legends hein, cette année, ben, comme chaque année, mais cette année, on va voir Faker qui va être en finale, hein, T1. Faker qui fera peut-être gagner son quatrième titre de Worlds après tant d'années. Hein. Ok, donc la game va commencer. Oh, oh, très beau skin de Rihanna. Juste changer quelques paramètres. On voit la cloche d'Alistar. Hein. On a bien entendu. Donc on va dézoomer ça. On va... voir les objectifs, et voilà. Je pense qu'on est bien set up pour cette deuxième game. Oh. Non, en vrai, on va mettre les rôles comme ils sont censés l'être. Voilà. Ça va être les deux junglers qui vont starter en bot side. Excusez-moi. On peut voir la Alistar qui fait bien sonner sa cloche. Alors, oh non, laissez faire. Les deux junglers vont starter red side. Pardonnez-moi, je me suis trompé. On va voir. On va voir ce que des traits de la Rihanna. Rihanna qui fait beaucoup de dégâts hein, au midlaner. Hein. Oh, on va voir Braum. Déjà, Braum qui va trouver des atouts hein, sur l'histoire qui va prendre beaucoup de dégâts. Hein. Ah, pendant les premiers levels, on ne pourra pas vraiment bien jouer contre,
Contre lui. Pendant ça, Jax, il va passer level 2 avant. Jax, très bon trade hein, du côté de sa part. Hein, Lorne, qui va être déjà à la moitié de sa vie. Hein. Bon, ça, là, une domination aussi du côté de la botlane. Hein. On veut voir la Seraphine aussi qui s'est rattrapée. Hein. Pour l'instant, les lanes sont très dominées du côté de Drummondville. Hein. Drummondville, qui pour l'instant joue assez bien cette early game. Bon, on peut voir la hache déjà qui fait énormément de dégâts. Hein. Ou Alistar qui peut quand même bien se heal, mais ça fait mal. On voit Jarvan qui va regarder pour un gank en mid aussi. Pour l'instant là que le Jax en top va très bien trade le Horn. Hein. Mais Horn quand même qui s'en sort bien avec beaucoup de régénération aussi, le Doran Shield qui donne beaucoup de sustain. Pour l'instant là le Jarvan qui cherche un gank dans cette mid lane. Le slow de la Seraphine, ça va pas être un route malheureusement, le slow du W de Jarvan, mais ça va pas être assez. Là, Orianna qui va toujours être en vie. Hein. Pendant ce temps, on aura quand même beaucoup perdu de temps hein, du côté de Jarvan à essayer d'avoir cet engage. Pendant ce temps, Jax fait très mal. Jax qui pourrait très bien tuer Horn dans les prochains moments. Hein, si les situations y convient. Horn qui décide pareil de rester en lane. Donc Horn qui n'a pas peur de mourir. Hein. Pendant ça là, on voit la botlane qui s'est bien remis, la botlane engage. Ensuite là, c'est Johnny qui va venir, le flash out et le ghost de la hache. Pendant ça là, ça va être une très grosse engage sur le Brom. Brom qui se fait stun, qui essaie de s'enfuir. Brom qui va réussir à s'enfuir de cet engage. Donc on aura quand même le flash et le ghost qui va popper pour la hache contre aucun summoner spell hein, pour CG plus malou. Donc assez bien pour si vous le considérez. Ça, Horn qui a crafté son rubis cristal, donc Horn qui se met assez bien. Horn, avec son passif, peut en fait crafter des items en dehors de la base, donc c'est très bien. C'est très fort comme passif en early game, donc ça l'en, à cause de ça, il n'y a pas besoin de recall, sauf pour Zumana, donc c'est très fort. C'est Jax qui va pas stun le Horn, étonnamment j'aurais pensé qu'il aurait sauté plus loin avec son Q. Mais il va quand même garder une petite jungle. Pendant ce temps-là, on regarde pour un dive en botlane. Ah, avec un avantage de la wave, un avantage des niveaux, un avantage des PV, un avantage de quand même tout. Hein. Il y a vraiment en botlane. Hein. On va voir un engage. Donc la Sejani qui va tanker la tour. Pendant ce temps-là, ça va être un kill. Le Yasuo qui va continuer qui va s'enfuir en fait. Oui, il va pas follow-up, excusez-moi. Non, en même temps, ça serait assez illogique, hein, surtout avec le passif du Brom qui peut le stun, Yasuo aurait pu mourir très rapidement, mais ça va être un first blood du côté de CG plus Moilou, encore. Bon, ça, Jax qui va faire très mal, hein, Jax qui va flasher pour ça, alors qu'il va essayer de s'enfuir, mais ça va pas réussir, ça va être un kill pour le Jax. On aura quand même utilisé aucun summoner spell pour le Horn. Mais ça nous a quand même coûté la vie. Dans ce temps-là, Brom qui va voir pour cancel les recalls va décider de s'abstenir. Il y a Yasuo avec un back pour les bots d'attack speed, un très gros back, hein, parce que non seulement ça donne des déplacements, mais ça donne aussi de l'attack speed. Pendant ce temps-là, Horn hein, qui se débrouille très bien en top lane. Hein, qui se débrouille très bien sur ses trades. Hein, Jax qui va être forcé de recall, mais. Par contre, on aura beaucoup de gold. Du côté de Drummondville, ça va starter un dragon de l'océan. Et ça risque d'être pris du côté de Drummondville. Drummondville qui est très bon pour avoir ses premiers dragons. Hein. Ses premiers dragons de partie. Hein. On l'a vu dernière game, ils ont sécurisé les deux premiers dragons. Mais on a vu les Molo qui ont quand même réussi à revenir en termes de dragons. Hein. Et à dominer cette game. Jax qui va bien trade sur le Horn. Mais Horn qui est très tanky. Hein. Mais on peut voir que Jax prend quand même beaucoup de. Le Horn, excusez-moi, prend beaucoup de dégâts. Hein. On va voir le Jax qui proche bientôt de tuer le Horn. Hein. Non, donc Jax qui joue très bien cette lane. Hein. Je me disais aussi que c'était un peu bizarre que Idol utilise que Jax. Oh, par contre, l'engage de Horn, hein? L'engage de Horn, ça va être un kill avec l'aide de la tour. Horn qui découpe le Jax avec l'aide de la tour, hein? Donc,
C'est vrai que même si Jax est très bon contre les tanks, avec ses auto-attaques et des systèmes, contre Orn, qui fait surtout des dégâts avec son passif, mais avec ses habilités surtout, hein, c'est moins pratique d'avoir un dodge. Même Jax est un dueliste, Orn est très fort comme perso. Surtout avec le nombre de CC et surtout le fait que Jax était sur la tour. Pour l'instant là, on verra pour une offensive de la Orianna. Orianna qui va ult, Orianna qui ça va être un kill. Seraphine qui va moquer son ult aussi. Donc un très beau flash agressif du côté de la Orianna. Orianna qui va avoir un solo kill en mid lane. Pour l'instant là, du côté de la bot lane, ça va être un kill pour Limalou encore. Le Yasuo qui dash partout, qui va temporiser. Pour l'instant là, le knock-up sur la hache, ça va être un deuxième kill pour Limalou. Double kill pour le Yasuo. Oh mon dieu. Limalou qui est dominant encore pour cette deuxième partie, hein, 5 à 1 du côté de Limalou. On commence à avoir creusé un gold lead encore. Du côté de Limalou, on voit un très belle early game joué. Hein. Hein? Même si pendant les premiers niveaux c'était assez compliqué, dès qu'on arrive niveau 3-4, on voit Limalou, surtout en bot lane, qui prend la confiance, qui s'impose sur cette map. Et c'est assez beau à voir. Voir la bot lane qui atteint niveau 6. Yasuo niveau 6, très dangereux avec les coéquipiers comme Orianna, Alistar et Ornn, hein, qui peuvent faire des. Qui peuvent knock-up, qui peuvent mettre en l'air plusieurs ennemis. Hein. On peut voir aussi un Riv qui va être tenté du côté de Drummondville. Riv qui va être pas vraiment empêché en fait, la Sejuani qui extend. La Sejuani qui arrive à voler ce Rift, mais elle va devoir laisser sa vie malheureusement. Et non, même pas, elle a même pas volé le Rift. Ça serait bien d'avoir. Je sais pas pourquoi il n'y a pas l'annonceur, c'est un peu bizarre. Mais bon. Mais non, ça, c'est Johnny qui ne refera pas à voler Rift et en plus va devoir laisser sa vie. Ça va être le Jax qui va récupérer. Orn qui fait beaucoup de dégâts. Orn qui fait beaucoup de dégâts au Jax. Ça va être l'ul de Orn, le knock-up. Le passif de Orn qui fait tellement de dégâts au Jax. Et ça va être un deuxième kill du Orn. Jax va essayer de flash out. Mais non, le Orn Inoffensive Name qui est très bon avec les tanks. Hein, on l'a vu avec Zir et Maxingame. Pendant ce temps-là, le flash. Le flash engage, flash de la Sejuani aussi, le Yasuo qu'il va falloir avec son ult, le flashant de la hache, ça va pas être assez pour Drummondville, ça va être encore une autre double kill pour le Yasuo. Yasuo qui commence à être très fort dans cette game. Une énorme domination du côté de CG Pumalou sur la fin de l'invocateur, hein, cette soirée, le CG Pumalou, l'équipe 2 qui est très forte. Et donc ça se passe énormément bien, hein, du côté de Cégep Limoilou. On va voir une engage du côté de Drummondville. La Orianna qui a pas beaucoup d'HP, hein, qui va se faire prendre, qui va se faire stun et ça va être un kill pour la Seraphine. Donc voilà. On a peut-être perdu le fight en botlane, mais au moins on a réussi à prendre la Orianna avec un engage en mid. On n'a pas utilisé de summoner spell non plus, donc c'est assez bien. Ça va, Seraphine qui va prendre des plates. Plates qui ont été nerfs il y a pas si longtemps que ça. Hein. Ils donnent beaucoup moins de gold maintenant. Ça, là, on va voir le Orn qui se débrouille très bien en top lane. Même si on a un petit désavantage en CS, on a les kills qui permettent de rentabiliser ça. Le gold en. On va voir une engage de ce côté de la botlane. Encore un double knock-up pour le Alistar. Le Jarvan qui va réussir à knock-up toute la team. Mais ce sera pas assez. Le TP de la Orianna qui va ult. Qui va tuer le Braum. Braum qui, même qui c'est un tank, a l'air tellement squishy contre CG plus Malou. CG plus Malou qui est juste en avance. L'ult de la hache. Peut-être la Sejuani, ça va être un kill pour la hache. Yasuo qui devra flash out de ça, sinon il était sûrement route et puis mort. L'engage par contre du Alistar et du Yasuo, ça va être un kill. Les énormes dégâts de Seraphine, ça sera pas assez par contre pour tuer la Seraphine après tout ce que Molo a mis, mais ça va paraître une kill pour la Seraphine. Seraphine qui se met assez bien. Hein. Gold, hein, donc la Seraphine de Martin Gaming, désolé si j'ai mal prononcé le pseudo, mais. Seraphine qui est assez forte, hein.
On va voir si les Yasuo. Yasuo qui a 2000 de gold de lead sur la hache, c'est énorme. Si on voit le Jax qui est deux niveaux en retard sur le Horn, c'est vraiment beaucoup. Hein. Et aussi, on voit quand même un assez gros lead du côté. Assez gros, non, en fait, on a quand même 2700 gold de lead. Mais quand même, c'est beaucoup. Donc on voit Drummondville qui setup pour essayer de setup pour un deuxième dragon, mais malheureusement je pense pas qu'ils ont la force nécessaire ou l'avantage présentement pour pouvoir prendre ce dragon. Le Yasuo qui fait juste très peur, hein. Yasuo qui est énormément fait, déjà a le Blade of the Runet King, Blade of the Runet King qui est un item très fort en 1v1 et qui est juste très fort contre les tanks en général. On peut voir les Molo qui vont starter ce deuxième dragon hors de la vision de l'ennemi, de Molo qui va sécuriser ce deuxième dragon. Donc on va voir, ça va être une map du vent. Donc ça va être intéressant à voir. Ça va être très bien pour des persos comme Yasuo, Alistar, Orianna. C'est la map, dis-moi, c'est une assez bonne map. Par contre, on verra l'engage sur le Jarvan. L'ul de Orianna qui fait beaucoup de dégâts, malheureusement, elle va essayer de flash out, ça va pas être assez. Ça va être un kill encore pour la Séraphine. Séraphine qui est très forte. À ce moment, on verra le Jax, il va engage sur le Horn. Horn qui aura pas assez de dégâts, qui pourra pas esquiver ce stun. Ça va être un kill pour le Jax. Jax va shut down le Horn. Dans cela, on va prendre la tourelle en botlane, donc Drummondville qui, malgré l'avantage de la botlane du côté de Lumalou, ne le cesse pas faire. Hein. Voir la Séraphine qui maintient un très bel avantage, hein, sur son laner, et le Jax aussi qui est en train de revenir sur le Horn. Ah, même que Jax a un avantage en gold sur le Horn maintenant. Voir ces jolis qui cherchent pour de la vision à enlever, hein. La vision qui est très importante dans un jeu comme League of Legends, savoir où l'ennemi est, c'est vital. Ça permet de créer des engage, ça permet de faire plusieurs moments. On verra qu'ils ont eu de la vision sur le Braum. Braum qui va enlever cette vision. Braum qui s'en va parer dans l'inconnu. Ne sait pas ce qui s'arrive. Ça va être DCC à la suite. Alors, il va parer sans faire avec le Blast Cone. Alistar qui ne prend pas, qui va pousser Braum hors du danger, malheureusement. Pour Cégep, le Moilou. Pareil, on verra le Jax qui va engage sur le Horn, très agressif du côté du Jax. Mais par contre, ok, non, laissez faire. On est en 2v2, par contre, la Sejani qui va venir. Sejani, donc on se retrouve en 3 contre 2 pour Cégep, le Moilou. 4 contre 2, mais 4 contre 3 maintenant, en top lane, 4 contre 4. Wow. Excusez-moi de mon imprécision. Ouais, ça, on va voir Cégep Limoilou qui s'impose pour peut-être avoir un deuxième rift. J'ai l'impression que c'est ça qu'on cherche. Mais on décide de pas y aller tout de suite. On va voir en mid lane l'ul de la Sejani qui va partir. Ça va être la hache qui va flash out encore. Voilà, Ash qui peut pas utiliser ses flashs offensivement, malheureusement, de les utiliser défensivement parce que sinon on meurt trop vite. Voir le recall de la CGI qui va être cancellé. Braum qui va engage sur le Jax, est-ce que ça va être assez? On pense pas, parce que le Jax qui est très tanky, hein. Oh, le flash du Jax pour esquiver l'ul de Horn, ça va être un autre kill pour le Jax. Jax qui est en train de bien dominer cette top lane, hein. C'est un engage en mid lane, l'ul de Ashe qui va partir, le Yasuo qui va être sun, Yasuo windwall, Yasuo qui va ult sur la Ashe, Yasuo qui fait tellement de dégâts. Par contre, ça va être l'ul de la Séraphine, l'ul de Jarvan, le Yasuo qui va se faire shut down. Jarvan, une double kill, donc énormément de gold pour Jarvan. Un très beau play de Drummondville, hein. Drummondville qui sont en train de remonter l'écart de gold, hein. Et Jax avec cette tour prise en top lane, on rattrape l'écart creusé par les Molo, hein.
Donc Drummondville qui vont prendre ce deuxième rift de la game si on ne l'empêche pas. Hein? Mais je pense pas que le rift va être contesté. Et voilà. Excusez-moi, c'est pas moi. Ça va être un deuxième rift pris pour... pris pour Drummondville. Voir les équipes qui pingent leur ultimate disant qu'ils ne sont pas prêts encore à fight. C'est quand même assez drôle de voir que les deux teams pingent que leur ultimate sont prêts dans 20 secondes parce que on voit que bon, ils veulent utiliser leur ultimate, mais c'est aussi le temps que les autres vont avoir pour récupérer leur ultimate. Ça me fait assez rire. Malou qui va prendre le scuttle, qui est assez bien pour prendre pour les dragons parce que ben, les objectifs neutres. Parce que ça nous donne de la vision et ça c'est assez important. Comme je l'avais dit plutôt dans League of Legends. On va voir Limolo qui va starter ce dragon. Par contre, j'ai l'impression qu'on est en manque de membres. Les deux top laners qui vont se TP dans ce fight, ça va être un CC du Jax. Jax qui ne pourra pas bouger du tout. Oh wow, le jeu CC. Par contre, l'insane ult de Seraphine. Seraphine qui fait une magnifique engage. Ça va être le charmant de tous les ults qui partent. C'est fou. L'ult de Rihanna qui va tuer le Jax. C'est un shutdown. Et on va voir le Rihanna qui aura une double kill. Donc Limolo qui, malgré cette très gros ult de Seraphine, va très bien s'en sortir dans ce fight. Ça va perdre le Yasuo. Par contre, on verra la hache et le Braum qui font beaucoup de dégâts hein, sur cette Orianna. Hein. Il y a malheureusement la hache qui pourra pas survivre pendant son engage à Seraphine. On va voir le dragon qui commence à être très low. Ça va être sécurisé pour Limoilou. Il y a Orn qui a tellement peu de HP, mais va s'en sortir pareil. Ça va être un autre kill pour Limoilou. Oh mon dieu, tellement d'action dans cette game 2 et dans cette game 1 aussi, hein. C'est vraiment le fun à regarder. Hein. On voit quand même du bon League of Legends qui est très, très agressif, très dynamique et c'est ça qui est le fun quand on regarde du League of Legends. Et on est toujours pas en live, on est en live privé, au revoir. Donc Winos, on est, je sais pas si Fuju, Lawrence, tu m'entends, mais présentement on est en... je t'avais texté sur, sur Messenger, mais oui, on n'est pas en live présentement parce qu'on est en... Le live est comme en privé, fait que on peut pas le voir en fait. Voilà. Game qui, malgré l'avantage en dragon et en kill du côté de Limoilou, ça reste assez serré. Hein. Seraphine qui fait beaucoup de dégâts hein, quand même. Hein. Qui est vraiment le carry de Drummondville. Par contre, on verra une engage, hein. Le follow-up, ça va être le stun. Seraphine qui va, malgré le charme, ne pourra pas survivre. Hein. Les dégâts de Sejourner et Orn sont beaucoup trop élevés pour elle. Ça va être un kill sur le Seraphine, un gros shutdown de 250 go quand même. Pendant ce temps, on verra Drummondville qui va essayer de sortir un baron, mais malheureusement, ils ne pourront pas parce que toute la team de Limoilou est déjà. Pas toute la team, mais une grande partie de la team est déjà au baron et va empêcher. De pouvoir faire ce baron. On verra Orn qui a maintenant qui va mettre le mythique de Yasuo amélioré. Hein. Orn avec son passif, tu peux améliorer les mythiques, c'est juste très fort. Pour l'instant, on verra la Orianna qui est dans sa bush. Orianna qui prépare un flank. On va voir le Charmant qui va essayer de venir pour prendre ses tours. Malheureusement, la Orianna qui va se faire focus. Orianna qui va une très belle Zania pour esquiver le stun. Ça va pas être assez, va se faire knock up. Orianna qui va mourir dans les mains de Jax. Yasuo qui va ult.
Il y a très bon cop follow-up, mais par contre, est-ce que ça a été assez dégueu? Oui, ça a été assez dégueu. Non, laissez faire! Le Jax va réussir à s'en sortir avec le mythique de Braum. Ça va pas être assez un Ignite. Très beau play hein, du côté de Drummondville qui va s'en sortir un kill pour 0 plus une tour en top lane. On peut voir un écart qui s'agrandit pas hein, entre les deux teams. Hein. C'est le fun à voir. Honnêtement, je sais pas encore qui va gagner cette game. Ça peut jouer à rien. Plus des deux côtés, on a des persos qui scale très bien, que ce soit Seraphine, Jax, Ashe ou de l'autre côté Ornn, Orianna avec son ult et les mages en général et Yasuo. Hein. Ornn avec son mystique, mais je dirais qu'on a quand même un meilleur scaling du côté de Drummondville. La question c'est est-ce qu'on pourra se rendre là? Et est-ce que aussi on pourra avoir un dragon, parce que quand même avoir des dragons c'est très pratique. Pour l'instant on verra une engage sur le Ornn qui se fait perma CC hein, qui pourra pas bouger du tout, c'est fou. Ornn qui va mourir dans les mains de Jarvan et de Seraphine, ça va être un autre kill pour Drummondville. Sinon on verra les Yasuo en botlane. Yasuo qui va très bien dodge stun du Jax. Yasuo qui va engage l'ult. Oh là là! Ce Yasuo est tellement clean, c'est beau à voir. Oh, par contre, il est passé proche de la mort. Mais on va pareil réussir à avoir le kill pendant ce temps-là. Jax aura assez attiré l'attention pour que Drummondville commence le baron. C'est Johnny qui va voir pour peut-être contester ce baron. Mais on n'est pas assez low comme la dernière fois pour que les Moilous puissent prendre des kills. Quoi qu'on sait jamais. Ça va être. On va essayer le style, mais ça va pas marcher. Ça va être. Un baron pour Drummondville. Ah, et c'est Johnny qui est. Il faut rester en sensoir, malheureusement, la Rihanna qui propose s'échapper aussi. Donc, un très belle macro du côté de Drummondville qui vont réussir à prendre ce baron. Et maintenant, qui vont se diriger pour prendre le dragon du vent. Donc, on peut voir le dragon qui est très low. Hein. On peut voir que Drummondville se sont bien féliches. bien féliches pour ce dragon. Donc maintenant, Drummondville qui a rattrapé l'écart, maintenant qui a plus de gold que Cégep et Malou. Hein. Donc, on peut voir que cette game est maintenant en faveur du côté de Drummondville aussi, qui scale mieux, mais la game n'est pas encore terminée. Hein. Rappelons-nous que Ornn peut pareil augmenter les mythiques de Cégep pour Cégep et Malou. Reste à voir si ils vont pouvoir remonter la pente. Maintenant. Pente qui est pas si grande en gold non plus, mais j'ai l'impression que en termes d'objectifs, c'est une assez grande pente. Hein. Voilà, Ornn qui va augmenter maintenant le mythique de la Sejuani. Ornn engage du Ornn et de la Sejuani sur le Jax. Ornn qui pourra pas aller knock-up sur le Jax, mais par contre, ça va être pas grave. Mon dieu! On a vu tellement de dégâts rapidement, le Ornn qui s'est fait. Pardonnez-moi. Le Jax qui fait juste. qui s'est fait supprimer du jeu quasiment. Hein. On a vu un incroyable burst hein, avec l'ult de Yasuo, Sejuani et. C'est ça. bon, ça on a la tour en botlane qui va être prise. Hein. Sinon, on voit la Seraphine qui fait vraiment beaucoup de dégâts. Excusez-moi du baillement. Bon, c'est Johnny qui s'en vient en botlane. Il y a le Braum qui est sous la tour. Un très beau ult. C'est Seraphine qui va pogner deux personnes. Malheureusement, la hache qui va paraît tomber. Ça va être. Cégep et Molo qui vont continuer et qui sont intuables quasiment. Oh mon dieu! On peut voir Alistar et c'est Johnny qui prennent aucun dégât. Il y en a qui fait mourir, mais va paraît s'en tirer indemne. Braum qui essaie de s'enfuir, qui essaie de faire de son mieux, mais ça va pas être assez malheureusement. Ça va être un autre kill. 4 kills pour Cégep et Limoilou. Cégep et Limoilou qui revient en force hein, après avoir perdu ce baron et ce dragon.
très beau play de Seychelles plus Malou. Maintenant, on va voir le Yasuo qui prend cette T2 en mid lane. Pas encore, la T1 qui s'est encore en mid lane aussi, ça c'est très bien pour les Malou. Ornn contre Jax, un fight qui honnêtement, Ornn essaie de s'enfuir, hein, mais pareil, j'ai l'impression qu'il peut pareil tenter quelque chose. Hein. Ah, Ornn qui prend vraiment beaucoup de dégâts, Ornn qui fait aussi beaucoup de dégâts qui sont... qui en prend pas tant que ça, qui fait beaucoup de dégâts aussi avec son passif. Mais Jax par contre qui tank assez bien aussi. Par contre c'est très close. On va voir le Ornn qui va flash. Ça va être esquivé. Non, ça va être le flash du Jax aussi qui va stun et qui va tuer le Ornn. Fight tellement proche. Mais ça va être le Jax qui va se sortir pendant ça là. La Seraphine qui va tuer la Orianna en bot lane. On peut voir cette game, ça s'échange de kill en kill, ça kill en top lane, ça kill en bot lane pendant ce temps-là. C'est une game qui est très dynamique à voir. Très dynamique à regarder, très dynamique aussi j'imagine pour les joueurs. On peut voir quand même toujours plus de kills du côté de Limalou, mais... malgré un gold lead de 3000 de gold, on a quand même les objectifs qui gagnent pour Cégep de Drummondville. Quoique le baron est maintenant terminé et c'est 2 sous la 2, donc j'aimerais que ça se passe mieux présentement en faveur de Limoilou. Pour Limoilou d'ailleurs qui regarde pour ce 5ème dragon de la partie. Hein. C'est top pendant ça là, il y a deux top laners qui s'en vont en top lane. Alors, la Sejuani qui va dash pour empêcher que Drummondville utilise le Blast Cone pour venir tenter de voler ce dragon. Hein. C'est en train de le faire. Brom qui va préparer un shield. A bien fait, réussi à passer de la mission, mais malheureusement pour le Brom, sa vision va être vite enlevée par la Alistar. Qui a pas vu par contre cette ward qui même si elle a fait beaucoup de vision elle offre quand même quelque chose. Pendant ce temps on verra Jarvan qui enlève encore plus des visions. Hein. Ouh, on va voir un ult du Ornn. Ornn qui va pogner le pro, mais Ornn je sais pas, c'est assez bizarre quand même comme ult hein, qui a tenté de j'imagine prévenir un vol du dragon, mais quand même, je sais pas, j'ai trouvé ça un peu bizarre, mais bon. Qui suis-je pour parler? Je suis juste Platine 4. Voilà, il y a des joueurs qui sont évidemment beaucoup plus forts que moi. Ça va être un troisième dragon pour Limoilou. Pendant ce temps-là, on va voir Jax qui est dans la jungle de Limoilou. Ah, on sait pas ce qui s'est passé, Yasuo qui fait énormément de dégâts, Jax! Yasuo qui fait énormément de dégâts va sortir de l'île de Jarvan, mais par contre Asino en PV va réussir pareil à s'échapper de ce fight, hein, va pouvoir bien assez. Par contre non, Jarvan en fait va continuer, Jarvan qui fait beaucoup de dégâts, Yasuo quand même le chien qui va proc, et non ça se va être Yasuo qui va mourir, Jax qui a énormément pas beaucoup de PV, ça va être le kill pour le Ornn, Jax qui va enfin tomber après s'échapper avec peu d'HP tant de fois. Ça va être trade 3 kills pour 2. Donc un trade qui va être positif pour Limoilou. Limoilou maintenant qui va profiter de ce temps pour clearer les waves, faire des camps et présentement on cherche pas à faire un baron. On cherche surtout à prendre avoir de la priorité dans les lanes, surtout en top lane, une priorité qu'on n'a pas tant eu hein. Pendant la game. En tout cas, de mon point de vue. Je vais regarder si le live marche. La réponse est non. Hourra! On peut checker le gold lead. Donc, on peut voir. Les skips commencent à avoir vraiment beaucoup de gold. Hein.
voir quand même Yasuo 4600. Pardonnez-moi. 4600 gold de plus sur la hache. Pour un Ornn qui craft un autre mythique encore. Ornn qui aura crafté toutes les mythiques pour sa team. Oh, elle va être un bel engage pour le cop d'Alistar suivi de l'ult de Ornn. Ornn qui va avoir son ult cancel par Braum, hein, très beau de Braum. L'ult de Sarvain qui va pogner 3 personnes, un très bel ult. Le follow-up de Jarvan, l'ult de Jarvan. Yasuo qui est très loin en HP, qui va essayer de s'en sortir. Mais non, malheureusement, il devra ult-in, mais ça va pas être assez. Yasuo qui va mourir, la hache aussi. Ensuite suivi côté Jax, un stun pareil, mais par contre on n'a pas ces dégâts. Les Molos qui sont tellement tanky, hein, les Molos qui ne prennent quasiment pas de dégâts, hein. Donc la Seraphine qui va pareil réussir à avoir un kill sur le Ornn, mais va pas avoir plus. Il reste juste le Jarvan du côté de Limoilou, de Drummondville, pardonnez-moi. Ça va être un follow-up Jarvan qui va réussir à s'enfuir, mais pareil, voir c'est Johnny qui est tellement tanky, hein, dans cette game, hein, et Ornn et Alistar aussi, hein. On a vraiment de la misère à les tuer du côté de Nimoilou. En même temps, la hache qui même avec leur Dominic Regards et Blade of the Rookie, a de la difficulté à faire à s'imposer dans cette game, qui s'est fait tuer trop rapidement pour qu'elle ait le temps de faire quelque chose et faire des dégâts au tank. Assez dommage pour la hache. Donc on peut voir les teams qui vont encore se préparer pour ce sixième dragon de la game. Peut-être une soul du côté de Limoilou, peut-être un troisième dragon du côté de... Excusez-moi, j'ai un bug au cerveau. Peut-être un troisième cerveau... un troisième dragon du côté de Drummondville. Pardonnez-moi. J'ai accroché un bouton. On va voir le Jax encore en botlane, hein, pendant que le baron arrive. Hein. On voit Jax, il a l'habitude de speed push, mais par contre cette fois se débrouille beaucoup moins bien, hein, que les autres fois. On a vu qu'il mettait les ennemis assez low. Maintenant c'est pas le cas, mais pareil. Du coup, Limoilou qui est nulle part pour prendre ce baron, mais en même temps, Drummondville qui est nulle part pour prendre ce dragon. Donc ça va être une soule de l'océan, enfin, pas de l'océan, pardonnez-moi, du vent pour côté de Limoilou, mais ça va être le baron du côté de Drummondville. Intéressant. Drummondville qui a préféré aller pour le baron. Mais la soule de Cloud qui est juste très dangereuse quand même, hein. On arrive en late game où est-ce que on voit que les bulles se finissent bientôt, hein. On voit que... Pardonnez-moi. Ouais. Je suis pas mal fatigué. On peut voir un assez gros gold lead pour les Moilous. La soul aussi qui va être pratique en fight. Même si le baron donne des stats bonus, quoique pas permanentes. L'ul de Ornn. Oh, l'un d'eux qui va être cancel justement par le Braum. Par contre, une très belle engage, hein, du côté de Limoilou, hein, qui va avec l'ul de Orianna, l'ul de Yasuo. Yasuo qui fait tellement de dégâts. Double kill pour la Yasuo. Très triple kill, oui. Non, my bad, pas triple kill. Mais pareil, on va voir 4 kills, hein, du côté de Limoilou. Limoilou avec la Cloud Soul qui sont juste tellement rapides.
C'est fou, hein. On va voir le follow-up qui voudront dive ce Jax. Hein? Jax qui vient bien beau l'essayer, ne pourra pas survivre. Et ça va être un ace du côté de Limolu. Limolu qui va essayer de. Qui va pas essayer en fait. Qui va terminer cette deuxième partie et qui va gagner le best of 3 de cette soirée. On va voir les GG aussi dit dans le chat. Hein? Oh wow! Quel game, mesdames et messieurs! Quel game, hein? Malgré le fait que c'était très proche, les Molos qui vont s'en sortir. Oh wow! À ce soir, on a eu du très bon League of Legends, hein? Je vais demander à Blaze si avant. Qu'il y a une autre game. Donc on peut voir je suis pas sûr quand même, mais on peut voir Donc voilà, merci d'avoir suivi ce live. Yoik. Non, en vrai, c'était une très belle game et j'espère que vous avez apprécié le live. Et on se revoit prochain lundi hein, pour une autre game de League of Legends. Ça va être cette fois-ci l'équipe 1 qu'on va regarder. Donc j'espère que vous avez apprécié.